Salut, c'est Martouf. Alors aujourd'hui, on va faire un peu de cuisine. Vous voyez bien que j'ai sorti mon tout beau tablier. Nous allons faire un pesto d'ail d'ours. Je suis allé à la forêt aujourd'hui cueillir cet ail d'ours. Il y en a des parterres entiers dans la forêt. Ça se mange, oui. Ça s'appelle ail d'ours parce que ça a vraiment le goût d'ail. À partir de ça, on peut faire du pesto, mélangé avec des pignons, mélangé avec du parmesan et de l'huile d'olive. On mixe tout ça et ça nous donne un truc parfait. Petite subtilité, il ne faut absolument pas confondre les feuilles d'ail d'ours avec les feuilles de muguet. Le muguet, c'est toxique. Alors, on ne peut pas se planter si on prend la peine de juste le casser un petit peu, puis sentir. J'ai dit qu'on est, ça sent l'ail. Hein. Alors, c'est parti. Avec 50 g d'ail d'ours, il me faut du parmesan et un peu plus de 30 g de pignon de pain. Je vais mettre tout ça là-dedans. Alors, attention, ça va faire un peu de bruit. Alors à cette mixture, on ajoute encore un peu d'huile d'olive, 50 g ici j'ai mis, j'y mets encore du parmesan, voilà 30 g de parmesan, on brasse tout ça. Tip top, parfait. Ensuite j'ai récupéré un bocal, on aura un tout beau bocal. Voilà, j'ai un pot. On va pouvoir le mettre au frigo et on pourra se faire faire des spaghettis bientôt. Fantastique, nous avons un pot de pesto d'ail d'ours qu'on peut déguster sur les spaghettis, sur des pâtes, ou plein de choses. C'est génial. Recette simple, facile, printanière, top. Voilà, si tu veux encore retrouver d'autres recettes de cuisine, tu peux aussi aller visiter le site yopyop.ch avec plein de recettes de cuisine amusantes. Et n'oublie pas de mettre un petit pouce pour faire connaître cette vidéo. Et abonne-toi à ma chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. À bientôt !